Abidé Balouki est la promotrice de Abi Food, une boutique spécialisée dans la vente des produits locaux. Ces derniers mois, elle a vu sa clientèle augmenter par ricochet son chiffre d'affaires. Auparavant, Abidé avait des difficultés à écouler ses produits comme la plupart des entrepreneurs au Togo. Cette augmentation est due à sa décision d'inscrire sa boutique sur Doussa, une plateforme de recherche de points de vente des produits locaux. La vente des produits locaux, c'est pas vraiment ça en fait, puisque c'est pas encore dans l'habitude de la population togolaise. Mais disons, ça commence pas à venir. Le fait d'avoir plus de clients, ça amène déjà vers plus de chiffre d'affaires. Au Togo, l'on manifeste peu d'intérêt pour les produits locaux. Ce faible engouement est d'une part dû à la faible accessibilité des produits made in Togo sur les marchés. Comme palliatif, Dodi Chala, jeune entrepreneur numérique togolais, développe Doussa, une application qui permet aux consommateurs de rechercher les points de vente des produits locaux proches de leur zone d'habitation. Aujourd'hui, grâce à sa plateforme, plus de 1000 produits ont été déjà recensés et un total de plus de 400 points de vente de produits locaux inscrits. Doussa offre également aux clients un cadre d'interaction avec les promoteurs des produits et des informations telles que les prix et la disponibilité des articles. Je vais dire que à 80%, c'est de la satisfaction auprès des utilisateurs de l'application. Au début, vraiment, il y avait beaucoup de réticence parce que c'était d'abord un nouveau outil d'accessibilité aux produits locaux. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'engouement. Cette solution numérique donne de l'espoir aux entrepreneurs du Made in Togo et offre aussi une vitrine numérique aux produits locaux. L'application est une vraie aubaine pour les amoureux des produits locaux. C'est le cas de Kpatia Akaba, un grand passionné des produits made in Togo. Et l'application Doussa m'a permis d'avoir une facilité d'accès grâce au point de vente. Actuellement, il y a même une manière de retrouver un point de vente qui est très proche de nous. Au-delà d'être un outil de recherche optimisé pour les points de vente des produits locaux, l'application Doussa veut également servir de plateforme mettant à la disposition des institutions financières et des structures d'accompagnement des statistiques fiables pour valider le dossier de financement de ces entrepreneurs. Steve Midiola, Lomé pour Africa News.